Effectivement, Bayern a gagné et une situation moins bon dans les trois premières journées de Bundesliga, mais par la suite, Bayern vient rectifier le tir, côté que l'équipe était plus ou moins efficace et dans trois prochains matchs, 4 goals, 3 goals. Donc, Bayern Munich t'es pratiquement arrivé en un match avec beaucoup plus de confiance que l'équipe Paris Saint-Germain. Un, incertitude qui était gagné autour de Mbappé. Deux, il était sous pratiquement deux défaites. Défaites contre l'équipe Monaco et défaites contre l'équipe Marseille. Donc, il était dans l'obligation. Et moi, je t'ai dit ça. Je t'ai dit que comment pour Bayern perdre contre Paris? Comment pour Paris battre Bayern? Je t'ai dit, pour Bayern pas battre Paris tant qu'au tambour, faut Paris à la fois solide et efficace. Si nous proposons la période là, jusqu'à la 70e minute de jeu, inefficacité, c'était Bayern qui était inefficace. Parce que si on prend le match football, ça, sorti dans la première minute là, arrivé jusqu'à la 70e minute de jeu, Bayern Munich manquait un élément qui pouvait te permettre de tuer le match. Un véritable masterclass buteur. Moi, imaginez un match qui est très ouvert avec une défense équipe Paris qui était à l'agonie et c'est Ramos qui a sauvé l'équipe Paris Saint-Germain dans la première période là. Ou gagner un avançant qui a beaucoup plus de qualité que Maxime Choupo-Moting. C'est pas un mauvais match, mais un avançant de meilleure qualité a beaucoup plus de présence, plus technique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus audacieux. Mettez Paris Saint-Germain dans plus de situations compliquées. Et sous la période ça, et sous le match jusqu'à la 70e minute de jeu, nous ne mettons pas dans le coup. Sous une action qui menait centre ça de Kensley Coman pour Maxime Choupo-Moting, frappe de Choupo-Moting, goal qui peut capter, 62e minute de jeu, ou pour 63e minute de jeu, c'est Jamal Musiala qui asphyxie Nuno Mendes pour le centrer, frappe l'an de Maxime Choupo-Moting, goal qui peut faire avec vous en corner. Ça veut dire que c'était quand même une équipe Bayern Munich qui pas toujours létale dans la dernière partie terrain. Le cas de Leroy Sané, par exemple, qui porte létale dans le match de football, qui prend un grand match de Leroy Sané. Maintenant, c'est tellement équipe Paris Saint-Germain, pas dans le coup, tactiquement, physiquement, techniquement jusqu'à la 73e minute de jeu, qui fait que Bayern Munich n'a pas fait plus que un goal. Parce que ça, vous comprenez, il y a une chose que nous toujours reprochons avec Verratti. Verratti, c'est peut-être un joueur qui est très bon dans un match moyen, mauvais dans un gros match. Parce que qui ça peut faire un joueur grand joueur? Un joueur grand joueur, c'est le que ou très régulier dans Big Game. Verratti, pas toujours régulier dans Big Game. Sur un match, je dis, qui ça fait? Paris Saint-Germain pas jamais capable d'imposer Bayern au football pour empêcher Bayern de développer football par là. Qui vient faire ça? Qui vient faire que mi-temps terrain équipe Bayern Munich, quitte ou prend Kimmich, quitte ou prend Goretzka, ils ont pratiquement fait tout ça que vous voulez parce que pas de pressing, Paris pas fait un pressing tout terrain, ou bien un pressing dans 25 à 30 mètres équipe Bayern Munich. Paris fait un pressing dans propre moitié de terrain. Et c'est pas un pressing qui empêchait totalement l'équipe Bayern Munich là, même l'arrivée dans une zone dangereuse là. Et c'est pas pour cette raison, moi dit nous, sur un match ça dans son ensemble, c'est Ramos qui était plus bon joueur Paris Saint-Germain dans le match là, parce que à chaque moment c'est lui même qui a sauvé, c'est lui même en bataille aérienne, c'est lui même qui a pu retirer son ballon dans le pied de là. Ça veut dire Bayern Munich t'es manqué l'état dans dernière partie, dans dernière partie terrain. Et qui ça fait? Quitte ou prend le Wassane, ou prend Goretzka, ou prend Kimmich, à chaque moment où prend un acteur Verratti qui est ballon, eh bien, le Wassane a fait premier marquage là. Si le Wassane n'est pas dans la zone Verratti, ou bien Goretzka qui a fait premier marquage là. Si ce n'est pas Goretzka qui est dans la zone Verratti dans le moment que Verratti est ballon, ou bien Kimmich. Qui vient faire ça? Qui vient faire que Verratti, qui est la première rampe de lancement pour l'équipe et Paris Saint-Germain, pas de jambes dans le coup, pas de jambes capable de jouer là et face lui. Deux jeux, ok, le gars qui est en face lui, mais il y a besoin, monsieur, face au jeu. À aucun moment de la durée, Paris pas affiché régularité pour être toujours face au jeu et dans le match là. Qui vient faire ça? Qui vient faire que deux mecs qui attaquent en yo, obligé de retourner à l'air ballon, qui fait que leur ballon dans le pied, ils ont pratiquement tout continué de ne pas gagner joueur qui vous connecte avec vous. Donc, souvent, l'équipe Bayern Munich, là, jusqu'à la 70e minute de jeu, on peut dire Paris Saint-Germain très bien sorti parce que c'était un Paris qui n'a pas gagné et niveau, gros niveau. C'était une équipe Bayern Munich qui était manqué efficace dans la période. Maintenant, sous prend
15 dernières minutes ou bien 20 dernières minutes, vois, c'était une équipe Paris qui était beaucoup plus menaçante. Beaucoup plus menaçante avec Mbappé. Première véritable occasion d'un joueur équipe Bayern Munich, Paris Saint-Germain, fait à la 73e minute de jeu avec Mbappé. Par la suite, tout de suite après, c'est Mbappé qui font l'autre occasion d'un joueur qui allait en corner. Ça veut dire Mbappé était pratiquement en quelque sorte galvanisé équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain était manqué au prenantage. Paris Saint-Germain était manqué vitesse d'exécution. Paris Saint-Germain, dans la transition offensive, là, t'es besoin d'un joueur qui est puissant, qui rapide, qui est capable de porter de dangerosité en un temps équipe Bayern Munich. Ça que le pas gagné pendant presque tout le match là, jusqu'à ce que Mbappé lui-même lui vienne rentrer. Donc, Paris Saint-Germain perdu. 1-0 contre équipe et Bayern Munich là. Maintenant, on rentre directement dans quelques éléments dans match football ça parce que nous-mêmes nous toujours bail notre Kevin Sol. Si nous prenons un match jodi hein, meilleur joueur Paris Saint-Germain c'était Ramos. Et l'homme dit meilleur joueur Paris Saint-Germain c'était Ramos et sans débat hein, sans discussion, meilleur joueur Paris Saint-Germain c'était Sergio Ramos parce que n'a pas parlé dans un match côté Paris Saint-Germain t'es à l'agonie et dans match football ça défensivement ou senti que Paris pas capable de contrôler bataille dans terrain pas capable imposer Bayern rythme dans match football là pas de maîtrise technique dans mitan terrain avec Bayern Munich qui t'a dominé équipe Paris Saint-Germain et bien Ramos était excellent c'était meilleur joueur là donc pas besoin yon allemand, yon anglais, yon espagnol, vindim, sur tout match football là, qui est-ce qui est le meilleur joueur? Non, c'était Ramos, ça veut dire, ou pas regarder l'équipe RMC de l'autre côté, ou pas regarder pratiquement même bagage, mais pas quoi que vous avez différent, parce que ça m'a gardé, bon, si on différent, moi, ou même, si on différent, ou même, moi-même, c'est moi-même. Donc, ça m'a gardé, hein, c'était Ramos, parce que c'était l'élément qui était plus important, le Paris était dans une situation extrêmement compliquée en défensivement. C'est lui-même qui pratiquement t'a fait mes portes là. Portes là, pratiquement ouvert. C'est Ramos qui t'a fait mes portes là. Oui, moi, très critique avec Sergio Ramos dans le projet à long terme. Parce que même moi, je crois que une équipe aujourd'hui là, qui c'est l'équipe Paris Saint-Germain, qui besoin de champion, je n'ai pas nécessité Aldeye et Sergio Ramos là. Moi-même, m'a maintenu position autour de Ramos parce que même moi, je crois que Ramos est un joueur fini que lui. Mais fini ou pas, pas capable d'empêcher me dire que expérience de mon national t'a lié. Donc aujourd'hui, ouais, c'était expérience. Oui, son joueur de physiquement, ouais, c'est pas ça, parce que quand même 37 ans, son joueur a fini. Mais aujourd'hui, c'était plus bon élément équipe Paris Saint-Germain. Il était très solide. Il était dans la bataille aérienne. Le bon ballon, il retire pratiquement dans le pied de Jamal Musiala. Bon ballon, il retire sous tête Eric Maxime Choupo-Moting. Il était très bon pour l'équipe Paris Saint-Germain. Il était solide. Il était bon, très bon placement. Et pas au moment, bon, à l'exception de goal que l'équipe Paris Saint-Germain a pris. Il était bon, très bon placement, mieux que tout l'autre joueur. Donc, c'était plus bon joueur équipe Paris Saint-Germain aujourd'hui. Qu'on y là. Élément qui pratiquement changeait match football ça. Élément qui pratiquement changeait match football ça, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Moi-même, je vais être très clair. Je me dis ça avec Bertine, je me dis ça. En meilleur, pendant toute semaine de Ligue des Champions. Je ne peux pas imaginer une seconde que Paris Saint-Germain, cas champion, sans tous les trois joueurs ça yo pas brillant. Ça veut dire si gen youn qui pas brillant, m'pa ko pari ka champion. Faut que tous les trois bon. M'a parle de Messi, m'a parle de Neymar, m'a parle de Mbappé. Faut que tous les trois bon. Et sou prend jodi an, qui ça pari te manqué? Pari te manqué percussion. Pari te manqué vitesse d'exécution. Pari te manqué prédancrage. Et juste à regarder banc équipe Paris Saint-Germain, c'est et qui tique, pas véritablement gagné niveau, pas gagné un véritable point d'ancrage, pas véritablement gagné un joueur qui est extrêmement rapide en de l'équipe Paris Saint-Germain. Bon, Neymar, on ne peut pas parler d'un joueur rapide, je dis en là, son joueur qui physiquement pas, qui pas à 100%, mais si c'est 35 ans, ça dit Paris te manqué ça. Et avec la rentrée de Mbappé, où est que Paris te manqué? Paris te manqué point d'ancrage là. Où est que Paris te manqué vitesse d'exécution? Ou est que le Paris récupère le ballon pour y aller dans la transition rapide là, il te manqué ça. Juste garder action qui mène goal qui en jeu, hein? Ou après que c'est vitesse d'exécution, jouer le ballon dans deux défenses équipe Bayern Munich là, et puis Mbappé a le placer. Et sous prend goal que Mbappé raté en lui-même.
première véritable occasion d'un joueur de l'équipe Paris Saint-Germain, c'était Kylian Mbappé. Et bien, avec la rentrée de Kylian Mbappé, ouais, Paris Saint-Germain t'es joué au football beaucoup plus direct, un football beaucoup plus sensé, un football beaucoup plus équilibré, un football qui gagne beaucoup plus de rythme, la balle dans 25 à 30 mètres équipe Bayern Munich. Donc la montée de Mbappé pratiquement changeait tout donné yo pour l'équipe Paris Saint-Germain, mais malheureusement, goal dans lui-même n'est pas fait. Donc Mbappé c'était joueur ça rentré là, t'es quand même by Paris yon semblant, mais dans l'ensemble c'est pas un gros match pour l'équipe Paris Saint-Germain, mais les by Paris yon semblant. Pas oublier goal qui en jeu c'est Mbappé qui fait. Pas oublier action passe par Mbappé en profondeur que le raté goal en lui-même, ça c'est goal pour me faire lui-même, goal que le raté en lui-même. C'était Mbappé, c'était la première véritable occasion de jouer. Donc, avec Mbappé, Paris Saint-Germain était beaucoup plus létal dans 20 dernières minutes. Et puis, Nuno Mendes, tout était très bon. Moi, je crois que deuxième période, Nuno Mendes, là, était très efficace. Et pas toute deuxième période, là, mais 15 à 20 dernières minutes, deuxième période, de côté que Paris lui-même lui sonne révolte, là. Eh bien, et Mbappé, Andy Nuno Mendes, c'était très bon. Je pensais que c'était deux plus bons éléments Paris Saint-Germain. Dans le moment que Paris vient lever niveau A, m'a parlé de Nuno Mendes avec Kylian Mbappé. Maintenant, on nous met un petit monsieur devant. Gagne un bagage qui est très important que on doit comprendre et connaître. Gagne des joueurs que normalement ou obligé critique ensemble avec lui, ensemble avec yo, parce que ou mettez tout le bagage, m'a dit ça avec Oudi. Ça fait yo critique vis-à-vis de Messi Neymar. C'est parce que les Français yo connaît que yo pi kon joue ke Mbappé. c'est clair. Yo connaît que yo pi kon joue ke Mbappé. Et puis yo pi superstar que Mbappé. Donc ou apwa que sou prend match jodi an, tous les deux joueurs yo pas létal, pas décisif pour l'équipe Paris Saint-Germain. Pas oublier, si vous prenez un match football en soi, c'est un Paris qui était pratiquement inexistant, avec Ramos qui était très bon dans la première période. Si vous prenez la deuxième période, là, Paris fait première occasion dangereuse à la 50e minute de jeu. Son occasion qui n'est pas concrétisée par un tir cadré. C'est un centre de Zahi Emery, 50e minute de jeu, et puis il y a Upamecano qui retire boule pratiquement dans pied Neymar. 3 minutes après Paris prend goal. Et sous prend 62e, 63e, 64e minute de jeu, trois moments ça c'est trois moments côté que c'est Paris qui t'a souffri. Avec frappe ça de Maxime Choupo-Moting 63e minute de jeu qui frappe sous poteau calé dehors. Corner 64e minute de jeu, coup de tête de Pavard. Que goal qui peut repousser. Action ça centre de Kingsley Coman. Reprise de Maxime Choupo-Moting, goal qui peut aller même les repousser. Ça veut dire que Paris Saint-Germain jusqu'à la 73e minute de jeu, c'est pratiquement inexistant. Et toute inexistance ça n'a pas là, c'était toute équipe Paris Saint-Germain inclut deux joueurs qui étaient en attaque. Effectivement, regardez Verratti, moi-même je répéter ça tout à l'heure. Verratti très bon dans match contre Lille, dans match contre Rennes. Un match contre Bordeaux, un match contre Saint-Étienne, un match contre Lens, des matchs côté que il y a une dimension tactique aiguisée qui pas gagné de l'autre côté, contrairement à match Ligue des Champions qui gagne pile calcul, qui gagne pile tactique, qui gagne pile stratégie, parce que le pari utilisé Danilo Pereira avec Verratti, c'est épaisseur que l'a essayé mettre dans le milieu de terrain avec deux joueurs ça en double pivot. Danilo Pereira qui a raté ses ballons, Verratti qui a aidé dans la récupération, mais qui c'est premier rampe de lancement dans sorti ballon propre, autre ballon en pied arrière, et puis c'est lui-même qui a enclenché le processus attaque là. Qui pour empêcher qui ça? Qui pour empêcher que deux monsieur devant yo pas nécessité pour tourner. Si yo tourner, c'est pas envie, non pas nécessité. Et ce moment jodi tellement t'es une dislocation, tellement t'es une déconnexion, fait que tous les deux messieurs devant eux, t'es obligé de retourner très bas. Deux milieux relayeurs, quitte ou prend Zaire Emery, quitte ou prend l'Oxytotocolis Carlos Soler, pas non seulement aider latéral Paris Saint-Germain, quitte ou prend Nuno Mendes pour Carlos Soler, quitte ou prend Zaire
pour et Hakimi, qui te mettait Paris Saint-Germain dans la difficulté. Maintenant, soit pour un match dans l'ensemble, sous Messi, par exemple, nous prenons ça et rapidement, Messi touchait 80 ballons. Et aucun tir cadré, pas de tir cadré pour Messi. Gagner une action que le frapper ballon, parce que le ballon t'a pris direction quand à moins que le goalkeeper allait même repousser, et bien et ballon ça frapper dans pied avant. Mais s'il perdu 18 ballons, il perd 18 ballons, c'est pas que un match côté Paris était grand pile ballon là, mais surtout de la première à la 70e minute de jeu, Paris pas grand pile ballon. Et Messi perdu 18. Ça veut dire que ce n'est pas un joueur qui était létal dans le match de football. Donc Messi jouait un match qui n'est pas digne de Messi. Parce que normalement, si vous regardez le match là, en soi, ce n'est pas un joueur qui était ultra décisif. Ce n'est pas un joueur. Si on dit ultra décisif, qu'on était décisif. Ce n'est pas un joueur qui était décisif. Ce n'est pas un joueur qui était surtout gros coup. Équipe Paris Saint-Germain, à l'exception de l'action, ça, 46e minute de jeu, frappe ça. Qui contre dans pied pavard. Donc sous pour un match Messi, c'est quand même un match moyen de Messi avec Paris Saint-Germain qui était pratiquement moyen. Et sous prend de l'autre côté. On prend Neymar par exemple. Neymar touché 57 ballons, moins que Messi. Il a perdu 16 ballons. Et c'est pratiquement même cas figure pour Neymar. Donc Neymar Messi, c'est pour parler d'eux parce que football là son sport collectif lié. Donc si on a jeune monde qui pour alimenter un grand peu de difficulté, nous sont expliqué ça tout à l'heure avec Verratti, avec Danilo Pereira à côté que ballon pas capable de river joindre, mais le peu de ballon que même yo te gagné dans pied yo pas fait décision pour équipe Paris Saint-Germain. Donc sous prend match là en soi avec Messi et puis Neymar, ou pas capable parler de un gros match. Donc yo pas létal, yo pas gain impact sous Paris Saint-Germain. Et si n'a parlé de impact, deux monde qui t'a gain plus impact sous équipe Paris Saint-Germain dans 20 dernières minutes côté que Paris était plus ou moins existé dans le jeu, c'était Nuno Mendes avec Kylian Mbappé. Donc est-ce que Paris Saint-Germain lui-même l'est éliminé? Non, Paris pas encore éliminé, parce que même moi crois que Kevin Son et toute bagaille est ouvri. Parce que sous garder match football ça, Bayern quand même raté opportunité pour le quand même et fait plus que un goal. Parce que sous le match là, c'est ton pari qui était pratiquement à l'agonie. Parce que pas oublier dans le match ça, gagner plusieurs paramètres, gagner plusieurs parties. Gagner partie première période là que Paris Saint-Germain était pratiquement inexistant, fait seulement un tir, zéro tir cadré. Gagne une deuxième partie côté que Bayern fait goal là. Elle était joué une trois grosse occasion dangereuse que le pape fait plus que goal là. Il fait un goal, elle était joué une trois occasion dangereuse, 62e, 63e, 64e. Et troisième partie match football là qui c'est 20 dernières minutes yo, avec Paris qui était pratiquement à faire jeu égal avec Bayern, Paris qui était beaucoup plus agressif comme équipe, Paris qui était beaucoup plus dangereuse que l'équipe Bayern Munich dans 20 dernières minutes. Et c'est dans la période ça que Paris lui-même joue un goal en jeu, c'est dans la période ça que Mbappé lui-même lui fait frappe cadré, c'est dans la période ça que Mbappé lui-même lui fait un autre goal qui est en jeu. Donc Mbappé c'était joueur en attaque Paris Saint-Germain qui était plus dangereux en 20 minutes. L'homme dit 20 minutes là, a dit le Paris Saint-Germain lui-même lui vient de jouer. Ça veut dire que Mbappé était plus dangereux. Parce que pas oublier un. Il fait une action cadrée, pas oublier, il fait goal sous frappe de Neymar là en jeu, pas oublier goal que le fait en sous passe de Tito Sak lui même les mains de ça, c'est pour ils sont avancés. Ça veut dire Mbappé c'était je vois que tu es plus dangereux dans 20 dernières minutes pour l'équipe Paris Saint-Germain. Qu'on est là. Qui ça vous Paris faire pour éliminer Bayern? Moi crois que match retour là, Mbappé n'a pas d'accord que dans match retour là que Paris Saint-Germain a besoin tous les trois joueurs là, parce que moi crois que Messi, Neymar avec Mbappé, n'a grand joueur capable d'exploser Bayern. Pas oublier, c'est quand même une série qui est très ouverte. Parce que même quoi que Bayern quand même raté opportunité pour être plus à l'aise dans le match retour là. Bat Paris 2-0, 3-0, ou t'as plus à l'aise. Bat Paris 1-0, m'pas croire que dans tête bavarois, c'est fini.
Moi crois que Paris capable à le renverser équipe Bayern Munich là. Yo Paris qui beaucoup plus équilibré, yo Paris qui beaucoup plus efficace capable à le déranger équipe Bayern Munich là. Parce que pas oublier l'autre Bayern, Bayern très lent. Ma parle de charnière centrale Bayern là, très lent. Je dis pas gagner ça. Paris pas dangereux jusqu'à ce que Mbappé lui-même lui vienne rentrer. Donc sous prend série ça, mais moi crois que c'est une série qui ouvert. C'est une série qui ouvert. Et avec Pavard qui pas jouer match retour là et yo passe dans deux défenses équipe Bayern Munich là Messi joue le ballon hein les coups pas dire Messi qui contrôle le ballon parce que Messi peut qu'on contrôle le ballon même Messi qui arrive en vent et pour moi pas de carton jaune c'est ton carton rouge parce que pas quoi c'est vrai Pavard c'est un carton jaune déjà même pour moi c'était un carton rouge direct non un carton jaune parce que monsieur Fontac extrêmement appuyé et Messi qui allait rentrer en temps surface de réparation, il tac pas derrière. Pour moi, il pas même nécessité un deuxième jaune. Pour moi, c'était un rouge direct que Michael Oliver lui-même n'y pas bail, il bail carton jaune avec Pavard qui est synonyme de rouge parce que Pavard lui-même était un carton jaune, même quoi que c'est un carton rouge direct que Pavard lui-même était et mérité. Donc une tête de bagarre qui était très important. Moi crois que avenir trio Paris Saint-Germain hein, li pral dépendre de qui ça Paris pral faire dans la Ligue des Champions. Moi crois que Paris éliminé contre Bayern Messi et Neymar pas prêté. Et ou pral ouais c'est yon fin de cycle ou bien yon l'autre cycle qui a et l'ouvri. Parce que bon bagage qui est très important. Paris à chaque crise, Paris et Saint-Germain quand même fait un changement. Et pas oublier, moi te dis nous ça. Paris c'est une institution qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Et sous prend et pratiquement aujourd'hui hein. C'était un match que Paris Saint-Germain va jouer avec Neymar. Non, Neymar a cité qui est capable de quitter l'équipe Paris Saint-Germain, que Paris Saint-Germain lui-même est prêt pour lui voir Neymar. Avec Messi qui quand même pour et prolonger avec l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, tout ça lui quand même apporté préjudice équipe et Paris Saint-Germain parce que vous sentez que il y a trois pour nous, et pour l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, moi, quoi bon bagage qui est très important. Si on sait qui est ouvert, mais il va falloir un gros pari dans deuxième match. Un pari à la fois solide et en attaque, solide en défense, et un pari qui est efficace en attaque. Et il y a un match qui fait aujourd'hui qui est très bon. Messi a salué Ultra, a salué Fanatique. Pas oublier depuis après échec Paris Saint-Germain contre Real Madrid, Neymar avec Messi t'es pratiquement pas à saluer le public parce que le public t'a sifflé joyeux, joué joyeux. Et sous prend et jodi hein, Messi a joué ultra. Et moi crois que ça c'est quand même un signe que c'est ensemble pour gagner. Imaginons nous Paris perdu et puis Messi parle saluer et public là. Li a pris l'autre à fond. Li a pris l'autre humiliation pour public là. Et nous croyons que c'est un comportement très intelligent de la part de Messi. Côté que l'aljouine, lui-même, aljouine fanatique, aljouine ultra. C'est pour dire que pour nous jouer une qualification, il va falloir que nous unis. Et unité ça, li pas seulement une unité entre joueurs, mais une unité joueurs avec les fanatiques football yo, donc c'est ça qui gagne autour de match football ça. Et même quoi que Paris Saint-Germain éliminé contre Bayern, c'est fini pour Messi et Neymar en de Paris Saint-Germain. Et qui dit fini pour Messi et Neymar en de Paris Saint-Germain, l'a fini et a un échec parce que Messi dans Paris Saint-Germain pas gagné et Ligue des Champions parce que nous pas bay tête nous menti. Objectif là par l'autre bagaille que gagner Ligue des Champions, si pas gagner Ligue des Champions dans Paris Saint-Germain avec Messi, c'est échec.
même Jean Cristiano Ronaldo lui-même il échoué avec United et non il échoué bon il échoué United il échoué avec équipe Juventus de Turin hein, parce que objectif là pas l'autre bagaille pour Cristiano Ronaldo c'était bail équipe Juventus de Turin Ligue des Champions et si pas Ligue des Champions c'est échec et Vini Messi de Paris Saint-Germain même le Real Madrid de circonstances atténuant Paris Saint-Germain pas équilibré. Mais coup de là, c'est qui ça ou fait dans le moment qui est ultra décisif. Et si Messi n'est pas capable de faire décision pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est jamais. Hein, donc, c'est échec. Et il n'est pas prétendre de Paris Saint-Germain, ça m'a dit là, il est valable pour et Neymar.